Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, regardez ça, on va attaquer une petite PS1. Petite PS1 qui a son Spindle à remplacer. Donc, on va essayer de faire. Enfin, c'est pas on va essayer, c'est on va faire ça bien. On va venir le remplacer en espérant que ça reparte et qu'on ne casse rien. Et on va également. On va également la pucer. C'est pour ça à la base. Donc, on l'a testé et elle fonctionne parfaitement bien. On va changer le Spindle parce qu'il est vraiment pété. Et on va espérer de tout cœur que ça tienne dans le temps. Voilà. On va espérer de tout cœur. Vraiment de tout cœur. Parce que les spindles, souvent, malheureusement, ils sont pas aussi bien que ceux d'origine. Et quand tu les enlèves... Donc, tu vois, cette partie-là, elle s'est bien enlevée. La petite partie noire. Peut-être zoomer un peu. Et sauf qu'il faut enlever cette partie-là aussi. Parce que la partie noire, malheureusement, je ne pourrais pas l'enlever. Sauf que pour l'enlever, ça, c'est un peu la merde. C'est un tout petit peu la merde. Parce qu'il faut forcer comme un bourrin. Tu vois, et il se casse, il s'enlève pas en fait. J'aime pas du tout parce que je sais pas. En fait, je sais pas comment m'y prendre. Sachant que celui de remplacement, il y a quand même de grandes chances qu'il soit voilé. J'aime pas ça. Sur l'extracteur de moyeu, bien sûr. Voilà. Tu peux rien faire en fait, ça. Ça casse automatiquement. Bah tant pis, on va le péter. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il était quand même hyper cassant. Hein. Il a cassé, mais instant. Hein. Ok, ça bouge. Je vais pas vous mentir, c'est surtout pour mettre l'autre, le nouveau, que ça va m'embêter. Alors, je suis tenté par mettre un peu de gras pour insérer l'autre, mais je sais pas si c'est une bonne idée de mettre du gras sur un tel truc. Ça a l'air de s'insérer comme ça, on va essayer. Ok. C'est voilé comme d'habitude. Mais est-ce que ça empêche de faire lire le CD ou pas? Il y avait un peu de cheveux. Ok. Je mets un disque dedans. Ça a l'air voilé quand même. Ça, c'est collant là. Ça a l'air voilé de ouf. C'est le problème avec ces spindles-là, en fait. Ça n'existe pas des spindles non voilés. Donc, malheureusement, nos amis de AliExpress... On va essayer. Et là, c'est le gros suspense. Comme à chaque fois que tu lançais cette console, c'est est-ce qu'elle va lire le jeu? Donc elle vient jusque là. Normalement, ça veut dire que là, elle a réussi, mais est-ce qu'elle va passer ça? Si elle passe ça, ça veut dire qu'elle a
passer la restriction de zonage. Eh ben impeccable. Spindle remplacé. Un poil voilé. Après, je sais pas s'il a besoin d'être parfait, en fait, ce truc-là, ce spindle. Mais au moins, ça marche. Est-ce que ça va aller plus loin? Ah. Il veut pas. Peut-être que dès qu'il s'écarte un petit peu du centre, il n'y arrive plus. Parce que du coup, ça devient plus voilé et plus compliqué à lire. Ouais. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné, je suis pas étonné. Et je vous avoue, je sais pas trop quoi faire moi avec ces trucs-là à chaque fois. Non, c'est volé de ouf. On va faire un truc, ça va être simple. C'est tout le temps le problème, hein. C'est pour ça que j'aime pas faire les... C'est pour ça que quand on me contacte pour refaire un lecteur de PS2 ou de PS1, comme les bonnes pièces, ça n'existe pas, visiblement. Les pièces de bonne facture. Tu l'as commandé où, celui-ci, Erax? Ce spindle. Ça a l'air d'aller là. Vous l'entendez dans le micro, le son ou pas? Non, ça va. Parce que là, ça a l'air de le faire. Ça a l'air d'être pas trop mal. Le son est un peu fort, c'est pas grave. Je peux le baisser un peu de laveur média. Voilà. Ça a l'air de bien marcher. Meilleure musique, on est d'accord. En vrai, ça a l'air de marcher. Ça a l'air pas trop mal. Alors pourquoi il prend pas mon jeu? Parce que là en gros, plus on s'écarte du centre, plus le voilage est élevé et donc la lentille qui galère un peu plus. Parce que du coup, la lentille elle va être obligée de contrebalancer ce voile en faisant un focus et donc du coup elle monte et elle descend et bref, c'est assez marrant d'ailleurs de voir une lentille galérer. Sur un focus. Elle danse, en fait. Mais ouais, c'est clairement le karma. Attention, est-ce que ça va passer? Que ça va aller plus loin.
Allez, vas-y, donne tout. Voilà. Je l'avais peut-être mal plaqué, je sais pas. Je l'avais peut-être mal plaqué. Ok, ça fonctionne, ça fonctionne. On est bien. Le temps de chargement a pas été trop long. C'est cool. Ils ont même fourni les fils et tout pour la puce. T'as commandé ça chez qui, Erax? Si tu te souviens. Oh, fil prêt, étamé et tout, hein. Ils ont fait ça bien. Ça y est, c'est déjà fini. On peut plus. Aïe, 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 aïe. Tu peux me remettre ma musique, toi? Dragon City, ok. Pareil pour le Spindle. Elle a pas envie. Elle a pas envie, elle a pas envie. J'avoue, je sais pas quoi faire quand c'est comme ça. Je sais pas quoi faire. C'est tellement usiné à la zob, ces trucs-là. Spindle a dit ouais, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Driver 2 qui est. S'il passe, c'est que t'as une lentille qui est dans une santé irréprochable. Mais c'est pas de ta faute, hein. C'est comme ça, hein. Malheureusement, on peut pas faire grand chose. Hein. Même quand tu commandes un lecteur complet neuf, ils sont voilés. Hein. C'est pour ça que je me fais chier. Ah, est-ce qu'elle va réussir à le lire? Là, ça rame tout le temps parce qu'il est rayé comme pas possible. Ça, c'est normal. La cinématique, c'est pareil. On va essayer d'aller jouer. On va quand même la pucer quoi qu'il arrive, la console. Parce qu'après, au pire, c'est qu'un problème de lecteur. Et un lecteur, à la limite, ça se remplace. Ce lecteur, il a l'air quand même pas pire. On va aller faire une virée. Chicago, deux jours. Il a l'air pas pire. Il a l'air pas pire, quand même. Ton lecteur. Pas sûr qu'il arrive à finir ce chargement, mais j'ai eu pas mal de PS1 qui ne finissaient pas ce chargement sur ce jeu. Franchement, pour un lecteur voilé, c'est pas si pire, hein. Franchement, c'est pas si pire, hein. Ok. C'est vraiment pas si pire, hein.
ça mérite qu'on le... Comment ça s'appelle ? Qu'on la puce quand même, et... Enfin, même... Enfin... En vrai, pour le coup, elle a l'air de bien fonctionner quand même. Elle a l'air de bien fonctionner malgré tout, donc en vrai... Autant que l'épreuve du Parking Driver 1. Comment ça ? Parking Driver 1, il se fait très bien. Hein. Faut juste pas être mauvais. Hein. Ok. Là, une fois de plus, c'est pas du plaisir, hein, ce que je suis en train de prendre là. Je teste la console. Hein. C'est vraiment pas du plaisir. Hein. Non, mais je préfère préciser, parce qu'il y en a qui sont peut-être en train de se dire « Oui, le gars, il est là, il joue, il travaille pas, il avance pas sur sa console. » Non, non, non. C'est pas du plaisir. Attention. Hein. On est avant tout là pour bosser. On n'est pas là pour prendre du plaisir sur des jeux vidéo. J'ai horreur de ce que je suis en train de faire, là. Jouer, là? Oh, mon Dieu. Bon, vous savez, je suis plus soudure, je suis plus... Aïe. Résistance, condensateur, tout ça, hein. C'est ma grande passion. Hein. Bien sûr. Hein. Ok, bon, en vrai, elle marche bien, on va la pucer, on va voir ce que ça donne. Sachant qu'en plus de ça, après, pour tester, on a un jeu japonais dans un état mirifique, proche du neuf, donc en vrai. Et on a des petits fils et tout de qualité supérieure. Hein. Très étamé en plus, ça, quel plaisir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais normalement, on n'a pas besoin de souder les 8. On a le petit PCB qui va bien. Ne joue pas sur Twitch, c'est mieux connu. Non, non, non. C'est un taf. Hein. C'est pas du plaisir. Hein. Attention. Hein. Ah oui. Hein. Faut pas croire. C'est marrant ça. Il a rayé avec une mine de crayon. Faut pas qu'on voit. Ah, mais c'est même pas soudé. Il y a le PCB, c'est pas soudé. Bah alors. Flemme. Bah alors. Moi j'avoue, habituellement, je les prends chez Cheap and Mods, moi, ces trucs-là. Là, non, là, ça vient de Dragon City. Petit adaptateur Deep 8. C'est le modeur préféré d'Arunotaku, c'est vrai. C'est vrai, c'est Arunotaku. C'est ton petit favori. Parce que c'est, normalement, c'est des 508, ça, je crois, là-dedans. Non. T'as le droit, hein. Ouais, c'est ça. Non, 12F629, ceux-là. C'est faux. Très bien. Un peu chiante quand on fait des tutos. Condensateur, je veux bien, mais c'est hauteur. C'est hauteur. Bien sûr. Bien sûr. C'est des 12F629 qui sont utilisés. Donc la puce. Ok. Ok, et eh ben on démonte la console. Jamais ouverte. Ah, ça c'est. Ça fait plaisir. En vrai, j'aime bien laisser le sticker. Et juste enlever la vis. Hop.
Elle n'a jamais été ouverte, hein, ça c'est sûr. Non mais ouais, moi pour les mods, je commande plus chez Cheap and Mods. J'avais eu une mauvaise expérience avec Dragon City, mais après, il n'y a pas de souci, hein, s'il y en a qui commandent dessus hein, et qui en sont contents, tant mieux. Hein. Cheap and Mods, il m'a tellement aidé, il m'a tellement... J'avoue, je préfère. Hop là. Alors, ce qui est bien, c'est que la PS1 à démonter, c'est relativement simple. Hop. Une petite nappe qui est là. Impeccable. Ensuite, on enlève encore des veuches. Ceci. Les spindles, ils sont fiables. Je sais pas s'ils vendent des spindles. C'est pas du tout. Et on enlève ça. Mais lui est fiable en tout cas. Moi je sais que j'ai confiance quand je commande chez lui. Mais après, une fois de plus, vous faites bien qu'est-ce que vous voulez. On a tous nos petites préférences. Tu sais comment quel nom elle a? Tu sais quel nom elle a ou pas, Erax? Je sais qu'il y a plusieurs types. Normalement, j'ai. Dans réparation. Oh, j'ai même pas les. Bah alors. C'est des modbo 5.0 qu'on installe d'habitude. Et lui, il fait même les modes modbo 5.0. Et on a normalement le site quaid.co qui montre aussi pour les PS1. Guide PS1 mode chip et il y a MM3 Mayumi One Chip PSNi. Normalement, c'est PSNi. J'espère que c'est PSNi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la référence de la machine et c'est une PM41. Donc, on descend PM41 board. Quoique non, c'est un Ataini normalement, donc non, ça peut pas être une PSNi. PSNi, ça va pas là-dessus. Ça va pas là-dessus. Donc ça va être autre chose. Bah, je te laisse me dire. Souvent, les plus réputés, je dirais que c'est une MM3. Dans le doute. On va attendre, hein. Ah, pendant ce temps-là, tiens, on va souder la petite pupus sur son petit support. Allez, change d'objectif parce que ça me fait plaisir. C'est la maison qui régale. Oh, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? On est généreux aujourd'hui. Hein. Mayumi 4. Ok. Mayumi 4, juste ici, et on a 10 PM41. Impeccable. Frites burger maison, et petits oignons frits. Regarde-le, celui-ci, là! Relou. Hein. Relou, à chaque fois, il donne faim. On prend les tseins et le fer à souder et on vient souder et venir manger le beurre. Bah voilà, super. Maintenant, ça va être de ma faute.
Ça va être de ma faute en plus. Donc on vient en mode ASMR. Souder les petites papates. Voilà. Impeccable. On va venir couper les papoutes. Juste en dessous. Alors, il y a plein de modes pour la PS1. Il y a des modes qui permettent. Je vais pas d'un coup en fait. Je sais pas pourquoi je m'embête. Pour mettre des cartes SD notamment. Et ça, c'est l'amour aussi. Hein. C'est vraiment l'amour. Bien. Hein. Impeccable. Alors, Mayumi V4. J'essaie directement sur le PCB. Bah pourquoi? Tu fais comment toi? Donc, la pupusse, eux, ils la mettent. C'est pas la même que nous. De l'autre côté? Bah non. Je mets un socket. Bah non, mais on va pas mettre un socket sur un PCB d'adaptation quand même. Ce serait chelou. Ça serait un peu overkill, je trouve. Le pire, c'est que j'ai ce qu'il faut pour programmer des puces de PS1. On en a déjà programmé ensemble, mais c'est chiant à faire. Chaque fois, ça se passe jamais comme je veux. Faut les tester et tout. Alors, du double face un peu épais. Come on, little boy. Et à la fin, du coup, ça va permettre, c'est vrai que je l'ai même pas dit, mais ça va permettre de lire tout, tout. Donc, les CD gravés, les CD japonais, les CD US. Donc, tu peux jouer globalement à tout, quoi. Et bien sûr, les CD PAL. C'est plutôt cool comme petite petite chose. Si t'inquiète, on dit tout. Et on peut parler des CD gravés parce que c'est pas dit que. Moi, j'ai des CD gravés que j'ai copié mon propre disque pour l'utilisation personnelle et pas utilisé le disque
originelle en question. Et oui, c'est possible. Il y en a qui font ça. Donc eux, ils la collent là, la puce, sur ce truc-là. Donc si je la mets là, elle est en brouille. Voilà. Donc on peut parler des jeux gravés. Les dumps et tout, ça marche. Comme ceci. Oui, on a bien fait de pas le coller parce que visiblement, ça va pas. Mettre un endroit plus plat. Ici peut-être. C'est pareil. Un endroit où le blindage est plus haut. On va être obligé de le mettre genre par là. Hein. Là-bas, ça dérangerait pas. On le met là. Edge Steels, je sais pas. Mayumi V4. Oui, il y a les tout derniers jeux hein, sur cette console qui sont plus sécurisés que d'autres. Cette pince si peu précise. Comme ceci. Ça tient bien. On la sort de la coque. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a VCC. On a les 8 villas soudées, tiens. Sur celle-ci, je savais pas. On va venir étamer directement. Par quoi on commence? VCC, petit fil rouge. VCC, on peut le choper un peu partout. VCC, on peut le choper de ce côté-là, sur ce gros condo-là, visiblement. On va se mettre là, directement. Un truc assez large, parce que du coup ça part là, ça va sur ce petit condo-là. Tac tac, mais je suppose que ça va pas ailleurs. Si je veux le choper par là-bas, je peux pas.
Ok, cool. On va passer ça comme ça. Et on va aller se mettre sur le VCC. VCC, donc le 3,5 volts, qui est tout simplement le pin 1 qui est juste là. Tac, tac, tac. Et que tac. Hop. Je connais pas cette musique. S'il les étamait de bout en bout, non, c'est lui qui les étame. Hein. Enfin, lui ou il les achète pré-étamés, les petits fils. Visiblement, la gaine, elle n'est pas très résistante. Comment j'ai pu me tromper autant? C'est bien trop long. C'est bien trop long cette histoire. Steve's work with all games Evil Anti-Multi-Chip Games like Sparrow 3. Sparrow 3 plutôt. Sparrow. Je peux dézoomer. Dénuder un gros morceau. Alors tu vas ou tu vas pas? Jack Spiro, bien sûr. El famoso pirate dragon. Il s'est mis en pause, lui. Voilà. Là, c'est pas mal. Et on met ça comme ça. Impeccable. Sans simple. Pour assembler un mode pour la vape, filabrasure à l'argent, la galère galactique. Ah oui! Tu travailles motivant. Pour les matins, c'est très louable, mais le truc, il écrit n'importe quoi. Je dis ça en même temps, ça veut rien dire. Putain, c'est vrai qu'on me l'a dit ça, déjà. J'utilise le truc de Google, pas le truc intégré Microsoft. Sous-titres. Mais oui, c'est le truc automatique là que OBS a fait, et je crois qu'il y a une autre version pour Google qui a été faite par Google et qui est bien mieux. Tac, on va prendre un petit fil noir. Et il faut qu'on chope un ground. Alors des grounds, on en a partout un petit peu. Donc,
C'est vraiment une bonne idée. Ouais, mais c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Oh, le Inforéa qui est là, comment il va? Comment il va le beau Inforéa? Dans cette douce matinée. Il est midi 30. Douce matinée, on peut dire encore matinée. Genre là, par exemple, j'en ai une de masse qui est juste là, sur ce petit condo, et qui viendrait se repiquer directement là. Bien, toi, bah écoute, ça va aussi. On va prendre le multimètre, juste là. Vas-y, je vais me repiquer là. Sur lui, c'est bien ça. Il a d'abord pour qu'il mette, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ref. Ok. Donc là, VCC et ground, c'est tout simplement la partie alimentation de la machine. Oh, et on va pas très très loin puisqu'on va jusque là. Impeccable, ça me plaît. Donc on a notre petit gang qui va là. J'en peux plus. Ah oui, non, mais la traduction, faut pas l'écouter, hein. Les sous-titres, ils sont un peu compliqués. Ok. On a Celedor qui va là. Le problème, c'est qu'après, on a beaucoup de fils qui vont aller jusque là, mais comme on n'a pas le choix. C'est les dehors. C'est juste ici. Ce qui est un peu chiant et qui me fait potentiellement un peu peur, c'est que normalement il faut les fils les plus courts possibles sur ce genre de mode. Parce que là, bah, on n'a pas trop le choix, parce qu'on peut pas la placer où on veut. Ça passe là-dedans, je pense pas, hein.
Non, ça passe pas. Dremel, ça passe. On va mettre un petit coup de Dremel directement dans la puce Sony, impeccable, plus de problème. Le soude droit et ensuite je le tourne. Sur ce genre de mode, des fois je suis tenté de mettre de la colle chaude un petit peu pour tenir les câbles et tout, mais je sais pas, je suis pas fan non plus. Je passerai du Kapton et on verra ce que ça donne. Y a des bis foutus. Non, non, on est en train de la pucer la console. On est en train de la pucer. Oh, Fostac, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fostac, c'est très gentil de ta part. Tu régales. Tu régales. Ça fait très plaisir. 9e mois d'abonnement, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On a la data. On va la mettre en bleu aussi, tiens, la data. Ça fait plaisir. Et la data. Ah non, on va pas la mettre en bleu parce que la data elle est loin, 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 loin. Bah si, on va la mettre en bleu, en fait, j'ai rien dit. Mais. On va aller de là-bas à le bas. Il y a deux VCC. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'allumer les deux VCC? Non, hein. Je suis en train de me dire un truc là. Hein. On est sur une 12F629. Et là, sur le schéma, il y a marqué que c'est une 12C508. Est-ce que les datasheets sont similaires? VS. Non, c'est pas ça. C'est 12C508. VS. Putain, je vois plus. 12F629.
Réagis juste si les deux tatachites sont les mêmes. Hein. Ça a l'air d'être ça. Hein. Non, c'est bon. Les deux tatachites sont les mêmes, visiblement. Todo va bien. Todo va bien. Ok, pin 6. Et ça va directement sur le Puntos qui est le. C'est bien, c'est qu'on a des pads un peu partout. Du coup, ça permet vraiment de. Alors, comment je vais le passer, ce fil? Ça va être un fil assez long, je sais pas si c'est grave de ouf. Effectivement, c'est plus ils abusent quand même. Pousser les gens à faire pousser leur coupe, ça. Aïe! So, c'est pas mal. On avance tranquillement, mais sûrement. J'espère vraiment que la taille des fils ne va pas trop faire chier. Ok, plus que trois fils. Tranquillement à base de tranquille, tout à fait. Et tranquillement à base de pubad, Inforea que vous devez suivre sur ses chaînes Twitch, bien sûr, qui fait des réparations. Je t'ai même pas fait ta pub. Et tu dis rien. Et tu dis rien. Que vous devez suivre. En fait, fait des réparations pour les gens dans le besoin et les associations. Il fait des PC portables, des PC fixes, des composants. Non, PC portable, PC fixe, téléphone, tablette et console. Et oui, donc n'hésitez pas, hein. Bien sûr, allez le suivre. Ah bah, bien sûr. J'ai soudé quoi là? J'ai pas soudé le bon. J'ai pas soudé data, j'ai soudé gate WFK, un truc comme ça. Donc c'est pas le bon. Donc j'ai juste à le décaler d'un pin, donc c'est pas trop grave. Courage. Courage, courage. C'est samedi, ça va aller. Tu n'as que 10 PC à faire ce week-end. Tranquille. Okay.
Pintis, qui est le data. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Ça, c'est data. Data potentiellement le fait passer à peu près au même endroit. Hop, un peu plus comme ça. J'ai pas trop le choix. Et on viendrait du coup se souder ici sur un petit condo ou cette petite résistance juste là. Impeccable. Poulou poulou. Un personnage dans Star Wars. J'ai pas la ref, hein, malheureusement, Star Wars. Tout ça, tout ça. C'est pas trop mal hein, ce qui se passe. Hein. Désolé, hein, je suis un peu concentré, je parle pas beaucoup. Mais petite concentration. Data, c'est dans Star Trek, nouvelle génération. Ah. J'ai pas la ref non plus. Du coup. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça me plaît. Ça me plaît pas mal. J'ai quand même envie de le rapprocher un peu. Il est trop dénudé. Voilà. C'est un poil mieux. On est sûr de pas avoir de problème. Égalité et soutien l'esprit de France jusqu'au choix de la couleur des fils. Génie. C'est vrai qu'on est sur un beau bleu, blanc, rouge. Non, ici, on représente la France, hein, bien sûr. Et bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On n'oublie pas d'où on vient. Ah oui, hein. C'est bon. Alors ensuite, on a ici. Là, on chauffe pas trop parce qu'il a envie de se barrer, le salaud. Et ça, c'est le Stealth. Et après, on a le Clock.
Est-ce qu'on prend du bleu? Allez, on prend du bleu. Donc on a un deuxième VCC sur le pin 4, mais je suis pas sûr qu'on ait besoin de le souder. Je pense pas. On va souder ça. Il est moins un peu concentré, hein. Vous savez ça. Hop. On dénude. On étame. Je parle pas de la lingerie. Toi-même, tu connais les vrais bails bressons. Ok. Dur posé et potentiellement solide, hein. Pas se mentir, vu comme je la maltraite un peu. Actuellement, on est sur du solide. Faut maltraiter les soudures, hein, pour être sûr que tout roule. Vas-y là, pose-toi comme je veux là. On va dire comme ça, c'est bien. Et il nous reste une dernière qui n'est autre que Clock. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Si ça c'est bon. Et Clock c'est rose. Et rose c'est sur la papoute qui est juste ici. On va faire attention. C'est vraiment une petite papoute. On n'a pas de pad. La PC Engine Duo est remise en fonction. La PC Engine Duo, il faut qu'on change le... On a trouvé qui. Maintenant, il faut qu'on... que je trouve un remplaçant. Et c'est l'ampli... l'ampli qui gère la partie CD. Si j'avais su, j'aurais commencé par celle-ci. Donc normalement on est bon. On est bon, on est bon. Je vais commander ça sur Ali et puis on remplacera ça. Bien entendu en temps et en heure. Hop, on se met à l'aise. Tranquilo, bilo. Mettre un petit fil blanc. Comme ça on garde le rouge et le noir pour... le ground. Hop. Je pense que c'est des fils qui sont achetés pré-étamés, ça.
Impeccable. On n'a pas de pont avec un copain. La soudure, elle est solide et ça va jusque-là. Mais en tout cas, on peut le dire, on est sur du fil de plutôt bonne qualité, hein. Il n'y a pas à dire. Oh, Emile-moi qui est là. Comment il va? Emile-moi, hein, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, hein, bien sûr. Il fait des lives notamment sur l'émulation, mais pas que, hein. Il fait des émissions avec des gens de qualité, notamment. N'hésitez pas. Très fort le MMO, bien sûr. Pas mal d'interviews, tout ça, des lives IRL de temps à autre. Salut Arnaud. On est juste en train de pucer une PS1. Les codes dit dans le titre. Donc vraiment, il n'y a pas de... Pas grand-chose à dire. Je te prouverai pour la première, je suis pas mécontent. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va être lourd à coup sûr. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de capton. J'avais 20 balais, c'est un bel temps de souvenir. Ah oui, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Petit ciseau. Et 12 845 follow quand même sur la chaîne. Hein. 13 000 potentiellement 2023? En vrai, si on y arrive avant 2022, avant fin 2022, ça serait fou. Hein. Bon, j'y crois pas trop. Il va me faire chier le fil blanc, je le sens. Posez vos follow là, allez là. Je vous fais gagner un sandwich. Bah du coup, bienvenue à toi, Arnaud. Arnaud qui a eu la pression de Inforea. Je comprends. J'aurais fait de même. C'est vrai, ça on le dit jamais assez, mais c'est gratuit les follow. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Comme ça. Toi, j'aimerais bien que tu restes en place, mais je pense que tu vas pas vouloir, parce que t'es un thug. Là, ce que je mets, c'est du Kapton, c'est du scotch qui est fait pour l'électronique. J'en mets un peu en masse. C'est pour éviter que ça bouge avec le temps.
De streamer électronique pour montrer que c'est pas si compliqué que ça. Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah là vous l'avez vu, hein, je suis pas un surhumain. Hein. Ça se fait bien. Faut juste, c'est vrai qu'il faut un bon fer à souder, c'est cool. Un bon étain, c'est cool aussi. Mais si vous avez ça, c'est nickel. Mmh. J'aimerais bien te faire passer là, là. J'aimerais bien que ça tire pas trop. Et ben c'est pas trop mal. Ça me plaît bien. Pas picoler la veille également, ouais. Ah bah c'est pas dégueu. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, bienvenue à toi, Fake Station. Bien sûr, merci pour ton follow. Sur ton fer à souder pour cette opération. Là, j'étais à 340. Cette photo. J'ai vraiment des doigts qui sont plus tactiles, c'est terrible. En fait, c'est soit les doigts, soit le téléphone, je sais pas. Pourquoi j'ai le flash d'allumer? Bon, en vrai, je me brûle pas tant que ça, mais je crois que c'est le froid. Donc ça c'est pour protéger en cas de problème et éviter que ça rentre en contact avec le blindage qui est une masse. Ça pourrait faire des fâcheux soucis. Donc dans le doute, je protège. C'est bien la pub Hendry, hein. Il est fort. Hein. Bon, je pense que je l'ai assez blindé. Je revérifie vite fait que j'ai pas fait de bêtises. Alors, le ground, il est bien au ground. On est bon. C'est des doux. C'est lui et il va bien juste ici. C'est good. On a ensuite le fil data qui est le fil blanc qui vient là. C'est good. On a le gate qui est ici. Donc pin 5, ok, qui va bien au bon endroit, juste là-bas, impeccable. Ensuite, on a VCC qui est là, qui va bien juste là, impeccable. On installe une Mayumi V4. On a une clock qui est ici, juste là, qui est un fil blanc et qui vient sur cette papoute, nickel. Juste là. Et on a le fils qui est juste ici et qui vient sur cette résistance centrale. Impeccable. Une prédit? Si vous voulez, on fait une prédit. Petite prédit. Vous avez 2 minutes sur le first try, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de souder ou dessouder quoi que ce soit. Genre, c'est first try, ça marche. Let's gong.
c'est type 1. Prediction, c'est non. Et Botox qui... Tiens, regarde-le là. Qui se pointe là, direct. Oh, la prédit qui est faite. Ah non, ah bah elle est partie. Elle y était, elle y est plus. Allô? Ah si, c'est bon, elle est là. Prédit, first try, c'est-à-dire j'ai plus besoin de toucher au fer à souder. C'est-à-dire que ça marche. Ok. Hop. Do it right now. Don't take time. Là, on a tout bien fait. C'est une puce qui est normalement programmée bien comme il faut parce qu'elle est neuve. Programmée par quelqu'un qui fait que ça. Il n'y a pas de souci. Après, ça peut arriver, hein, bien sûr, une puce qui a un défaut. Ça arrive. J'espère pas là. Vu que je perds tout le temps, tu peux ranger le fer, bien sûr. Il vous reste 30 secondes pour prédire. En vrai, j'ai rarement de la chance en plus avec les PS1, j'ai rarement de la chance en plus. Souvent, c'est un peu la merde. Il y a de la thune en jeu. Hein. Il y a de la thune en jeu. Hein. Inspirateur là-dessus. C'est truqué de toute façon. Garde les. Là, y est, ça commence. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, hein, ça s'est plaint. Hein. Hier, ça a râlé. Hein. Ça a râlé sale, hein, je vous le dis. Hein. Alors on dit que notre droit, ouais, garde les. Ok, comme ça. Faudra bien que je la maintienne parce que sinon elle va pas faire tourner le CD. Vas-y, je remets deux vis, c'est bon. Vas-y, je remets deux vis. Comme ça, on a tout comme si elle était d'origine. On devra la redémonter hein, parce qu'on a la partie capot à refaire. Est-ce que deux vis suffiront? Je dirais que oui. Eh ben, let's go. Le driver 2. Non, Gran Turismo qui a failli faire une chute libre.
Jeune gens, c'est le moment. C'est now. Je vous le dis, c'est now. Moi, je suis comme ça. Donc je mets un jeu pâle pour commencer, pour voir si on n'a rien cassé depuis tout à l'heure. En la démontant. Mais pas à l'abri. Mais pas à l'abri. Ah, vous avez un écran noir. Mais pourquoi il y a encore un écran noir? Ça, ça me saoule. Putain. Il me fatigue ce boîtier à Vermedia. Il faudrait que je le mette tout seul sur une alimentation pour que je puisse le débrancher, le rebrancher à distance. Voilà. CD bien pris en compte, ça tourne. La meilleure musique de l'univers, bien entendu. Ok, jusque-là, ça me va. Maintenant, parce que c'est ici que la puce agit. Le SCEE, ça veut dire Europe machin. C'est-à-dire que la console est une européenne et que le jeu que tu as inséré est un européen. Si elle le lance, ça veut dire que le SCEE est bien. Donc on est bon. Jusque-là, ça marche. Ça marche, c'est bon. Ok. Donc elle lit encore les jeux européens. Très bien. Plus dur. Plus dur. On lui met un jeu Japanese. Un petit Ridge Racer. Ok. Japonais. Donc S-C-E-J, S-C-J, je sais plus. Donc là, on passe. Elle fait un autre bruit déjà. Je sais pas si ça va passer. Si elle fait un drôle de bruit. Aïe, 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 pourquoi ça marche pas? Non, elle veut pas. Elle veut pas. Je vais essayer avec d'autres choses. Je vais graver. Graver. Ok. C'est un jeu gravé. Pourquoi il le prendrait pas lui? Donc là, c'est un jeu gravé. Non, pareil. Ah putain, fais chier. CD est propre. Ah, le CD est nickel. Donc là, elle prend pas les jeux. D'accord. Très bien. Donc là, en gros, elle est pas dézonée, quoi. La Mayumi V4, y a pas un truc spécial à faire. Hein. Non, bah, ce qui est cool, c'est que la console, elle fonctionne quand même. Donc c'est bien. Maintenant, j'aimerais bien qu'elle fasse ce qu'on lui demande. Mayumi V4. D'accord, donc il prend ça pour un CD audio, ça des fois ça arrive aussi. PM41. Ça m'étonnerait que le tuto soit mal fait, tu vois, parce que il est fort. Ah, il y a une 41.2. Ah. Ah non, c'est pas celle-là de façon qu'on a, nous. C'est sûr. On va regarder si j'ai pas dessoudé un fil. Malencontreusement. Le problème, c'est que je sais pas si, genre, comme c'est une 12F... Je vais aller voir chez directement Dragon City, hein, c'est là où tu l'as acheté. Mayumi. Mon Raspberry Pi, on n'en parle plus, bien sûr.
Ah. Il y a écrit que la Mayumi n'est pas compatible avec des compatibles. Attends. La MM3 a l'avantage d'être compatible avec toutes les PS1 FAT, contrairement à la Mayumi 4.0, comme l'a dit précédemment. D'accord. Attendez, je regarde juste. Hein. La PS1, la puce One Chip est compatible avec toutes les PS1. Je sais pas si elle est compatible. Attendez. On va regarder. Mais du coup, oui, vous pouvez mettre le first try. Pas le first try, du coup. Le nom. Pour moi, elle marche. Hein. En vrai, on pourrait mettre first try. Hein. En vrai, franchement, ça va. Hein. On peut mettre le first try, là. Hein. C'est bon, ça va. C'est pas le first try, c'est bon. Vendetta. Quel est là, les rebelles qui veulent avant tout leur Puntos. Avec les promos Steam, certes, c'est pas le 5, mais j'ai pris Forza Horizon 4 Ultimate à 35 € au lieu de 100 €. Eh ben dis donc. Ça se met bien. Mais je pense que tu aurais pu le trouver moins cher. Hein. Je pense que tu l'as payé cher là. Alors, attendez. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils proposent quand même l'installation sur le site. Donc pourquoi ça marcherait pas? Est-ce qu'il faut que je l'alimente doublement? Parce que ici, je dois l'alimenter aussi. A plus Kiss. Est-ce qu'il faut que je l'alimente aussi? Vas-y, tu sais quoi? Dans le doute, on va l'alimenter aussi. On va l'alimenter doublement. Après, ça serait étonnant, tu vois, mais... On sait jamais. On sait jamais, on est pas à l'abri de... Yosmos. Merci pour tous ces points de chaîne, visage souriant, vroom vroom. Yadley, là, c'est fou ça. Hein. Vous êtes content que ça marche pas. Ah, c'est dingue. Hein. J'ai envie d'appeler la police. Je vous le dis. Hein. Ah, ça c'est parce qu'hier, vous m'en voulez pour hier. Hein. Vous m'en voulez pour hier. Alors que hier, c'est vous qui aviez tort. Hein. Dingue. Je pense pas qu'il y ait besoin de deux VCC, hein. Mais je sais pas, dans le doute. I can hear Shane the Oreillette, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Ça a besoin de beaucoup de courant, j'en sais rien. Et du coup, Erax, je sais pas si t'as vu, mais c'était une one chip en fait. La commande n'est pas claire du tout. D'accord. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment faut faire pour identifier et tout. Comme c'est une PS1, est-ce que toutes les PS1 sont des one chip? Parce que tu vois, sur le site, ils marquent qu'on peut quand même les pucer puisqu'ils fournissent le tuto. Je pense pas que ce soit le style à faire des tutos pour des consoles qui sont pas faisables. Ok, soudure, elle est bonne. On va essayer comme ça, on verra bien. Je serais étonné quand même que ce soit ça le problème, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. C'est Clotilde, comment ça va? Comment ça s'est passé ton taf? Ça t'a fait aujourd'hui ou pas? Hier, oui. Clotilde qui fait des lives sur sa chaîne Twitch, où elle fait du crochet. Et vous, allez lâcher votre petit follow, bien sûr. Ayez la curiosité. On se remet comme ça. Et si je remets pas les vis? Ok. On met directement un jeu gravé. Ah, s'il te plaît. Le Stream Deck. La Vermedia plutôt, tu me fais pas chier. C'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça. Et bienvenue à toi, Pendule FR. Merci pour ton feu. Salut. Ça tourne. Elle a du mal. Ok. Là, elle le détecte pas. Ça, c'est peut-être parce que c'est un jeu gravé. Je l'ai pas testé celui-ci s'il fonctionnait. Je vais mettre un jeu PS1. Me dis pas qu'elle détecte plus aucun jeu. Driver 2, juste là. Y a personne, je m'ennuie, je te comprends. Courage. Oh bah merde alors, elle prend plus aucun jeu maintenant. D'accord. Eh ben yes. Super. Ça commence bien. C'est blindé de monde, pas là où je suis placé, j'ai aucun passage, mais bon, c'est mon problème, je fais mon boulot, je souris, je donne. T'as bien raison. Ok, je pars en burne en faire un dossier X-File. Bah là, du coup, je me demande si, du coup, la puce, elle est bien posée, mais que, du coup, la console n'est pas compatible. C'est la question que je me pose. Genre, tout à l'heure, du coup, elle n'était pas alimentée, et donc ça n'allait pas.
Enfin, du coup, la puce n'était pas prise en compte, plutôt. Et là, maintenant, elle est alimentée. Mais du coup, c'est dead, quoi. Trop bizarre. Trop bizarre. Je regarde un petit peu, hein. Pour cette histoire de puce. Si je vais sur le site, donc si vous avez une PS1 FAT, vous pouvez utiliser Multimode 3 et Mayumi 4. Ok, la puce Multimode 3 est compatible avec toutes les PS1 FAT. Ok, mais la Mayumi 4 est compatible uniquement avec les PS1 FAT. Ok. La PS1, la puce One Cheat est compatible avec toutes les PS1. Si on va sur le site pour genre commander la puce, là, PS1 correspond à la plus petite, c'est la deuxième qui est sortie, celle en blanche sur la photo, d'accord. PS1 FAT, PS1, puis moi je peux commander toutes les PS1. En gros, il faut une. En gros, il fallait une one chip, quoi, de ce qu'il dit le monsieur. Je crois que c'est ça. Hein. Je me demande si là, du coup, ouais, c'est pas. Je vais dans le doute, ce qu'on va faire rapidement là, on va enlever le ground et le plus. C'est peut-être pas la bonne puce du coup. T'as une autre puce? Non, non, j'en ai pas d'autres. Moi j'ai des. Je sais même pas si elles sont compatibles avec les PS1. Potentiellement, moi ce que j'aurais en stock, c'est de la. On est bien tout débranché avec la manette branchée, c'est bon. C'est de la les toutes dernières là. Mais je sais même pas si j'en ai encore en stock, je me souviens même plus de ce que j'avais fait. Et à chaque fois que j'ai essayé de les installer, c'était la merde. Et c'était pas forcément compatible. Ça marchait pas forcément. J'enlève ça. Vas-y, on remet comme tout à l'heure. Juste avec ça. Tiens, hop, je te remets là. C'est tout cassé. Recap commande est pourri. J'ai sûrement commandé une one chip. Ah, donc ça c'est censé être une one chip alors. T'es sûr? Si t'es sûr de toi, de toute façon on peut pas trop vérifier. On a pas trop de. Et peut-être remettre le lecteur. Non, je peux tout compris. Ouais, je suppose que quand tu... Je vais voir.
Ah oui, d'accord, en fait, t'as commandé une puce de PS1. C'est tout. Et en gros, c'est ça. Donc, il y a une multimode, ou une Mayumi, ou une One Chip, plus les 8 fils, plus c'est... Donc, tu sais pas ce que... Ouais. Tu sais peut-être pas ce que t'as commandé. Du coup, tu penses que t'as pris une One Chip ou pas? À ton avis. C'est bizarre. Ça a pas l'air de trop marcher. On va réessayer, du coup, avec Driver 2. Parce que Driver 2, c'est le 100. Ouais, donc ouais, est-ce que tu m'as envoyé, on sait pas en fait, on sait pas, c'est un récap un peu, ouais. C'est bien Dragon City, voilà. Donc sans la puce de soudé, ça marche. Donc soit c'est pas la bonne puce, enfin, on arrive là, et là en gros ce truc là, commander un truc quantité 1, c'est ça. J'ai bien lu les avertissements, ouais. Sumikem DK. Ok. Ça fonctionne. On sait que la puce, il y a un problème avec. Donc, soit c'est moi qui n'ai pas soudé un fil au bon endroit et j'ai des doutes là-dessus. J'ai des gros doutes là-dessus. Parce que je vois pas comment j'aurais pu me louper étant donné qu'on a fait les vérifs et tout. Soit les fils sont trop longs. Je ne sais pas. Sur le site de Dragon City. Mettre une puce de PS1. PS1 Fat. PS1 Slim. La PS1. PS1 V1. Ou PS1 V2. Nous, ça serait une... je dirais une V1. Je dirais une V1. Parce que là, on l'a installé comme une... Ah oui, mais il est là le problème du coup. C'est que on l'a installé comme une Mayumi. On l'a pas installé comme une One Chip. Il est là le problème. Il est là le problème. On l'a pas installé comme il faut. C'est sûr, du coup. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Il est là. Il est là le problème. Fuck dude. Normalement, ça pose pas de problème parce qu'on voit que la PS1 fonctionne encore. Ça, c'est pas un souci. La puce, je pense pas que ça lui pose un problème non plus. C'est quoi le modèle de la puce? Bah normalement, c'est une Mayumi. Mais en fait, non. C'est pas une Mayumi, c'est autre chose. Problème entre le faire à celui et les chaises, ouais. C'est ça. Alors, comment je peux installer ça? Il y a certains fils qui sont posés au bon endroit, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Il y a certains fils, j'ai pas le choix. Alors, l'alimentation, ça reste la même pour tout le monde. Par contre, le pin 4, qui est ici. Ouf. Lui, par contre, il y a des chances que... Comme moi, je l'ai branché pas au bon endroit. Je sais pas ce qu'il fait le pin 4, mais il risque de pas être content. Et bah, tant pis, on enlève tout. T'as pas repiqué le V+ sur la... plutôt que de doubler une soudure sur le PCB parce que j'ai été voir ce qu'il y avait sur les photos des gens qui eux étaient contents et visiblement ça fonctionnait, donc quand ça fonctionne chez les gens, je me dis je vais essayer moi aussi de faire comme eux.
Tout simplement. Si je prends ça, que je me mets en diode maître, que je me mets là et là, c'est bon. On est bon. Pour ce qui est du ground, je suppose qu'on va être pareil. Alors, parce que je pense qu'on n'a pas grand fil à remplacer. Il y en a 2-3, je pense. Ça, c'est le 7. Il va au bon endroit. C'est cool. On a le 2 qui est là. Il n'est pas au bon endroit, du coup. Le 2, il n'est pas au bon endroit. Le 2, il va là. Ensuite, lui, qui est le 3, il va là. Ok. Oh bah il tenait bien lui. Il tenait bien. Il était sûr de ma soudure, tu vois. Ok. Et le fil va pas être assez long. Relou. Ça va marcher beaucoup moins bien forcément. Bien sûr. Of course. Ok. Là, ça pouvait pas trop marcher, effectivement. Avec le bon schéma, ça ira mieux. Tiens, autre chose, on va tester le VCC, là, qui disent. Si je me mets là et là, c'est pas du tout un VCC. Hein. Je sais pas ce que j'ai envoyé sur Spin 4. Je sais pas si elle va kiffer. Je sais pas si elle a kiffé, la puce. On verra. Bon, la balègue des couleurs, hein. Quoi hein. Je suis presque en train de me dire, j'ai pas envie d'utiliser ce fil-là, j'ai envie d'utiliser mon fil à moi qui est beaucoup plus fin. Mais malgré tout, de bonne facture. Alors, le 2. Très bien. Ok. Pin 2. Juste là. Et bienvenue à toi, Z Farmer, c'est ça? Ah bah, c'est pour ton follow. Pin 2, il va là. On va le faire passer comme ça. Jusque là, tac. Je peux te couper, merci. Bon, impeccable ça. Une question du fil, un poil plus fin. Ce qui sera plus pratique pour ces petites soudures là. Ça c'est good, ça c'est pour le fil 2, ça m'arrangerait, je te remercie. Ça c'est pour le fil 2, ensuite on a le fil 3, ok, salut, sur YouTube pour réparer les lecteurs cartouches d'une 3DS, ah oui. Et puis les 3DS maintenant. Pourquoi on tient les 3DS? Trop chiant à réparer. Réparabilité zéro de la part de Nintendo. En vrai, surtout la partie supérieure en vrai. La partie inférieure, ça va. Okay.
J'ai le 3. Et le 3, il va là-haut. Là-haut. Mais du pile poil ça. Et 2DS, 3DS c'est ban. 2DS classique ou 2DS new 2DS. En vrai, je fais pas trop. Je fais plutôt ces consoles. Enfin, ça dépend des problèmes en vrai. Mais c'est déjà mieux la 2DS, c'est déjà mieux. Oh, mon ami. Fait des consoles simples, nous. Des petites PS1, hein, comme ça. Comme ça, comme ça. Je le fais passer là. Tu vois? Ou pas? Comme un beau gosse ou pas? Comme un beau gosse ou pas? Non, pas possible. Tant pis. C'est comme ça. Hop, toi, tu reviens en place. Like this. C'est le pin 3. Ok, pin 4, il va là-haut. Parce qu'il a dit, ma console est nickel. C'est juste qu'elle ne voit plus la cartouche et ne recrute pas. Bah, faut voir un petit peu dans quel état elle est. Si tu veux la réparer toi-même. Si tu veux la réparer toi-même, tu vas sur le Discord. Hein. Sur le Discord, on a plein de gens qui sauront te guider. Hein. On a un Discord d'entraide, jeunes gens, avec plus de 2000 personnes. Donc en vrai, profitez-en. Hein. On a plein de catégories pour les consoles et tout, et même pas que les consoles. Donc vraiment, n'hésitez pas. Hein. Il est fait pour ça. Hein. Hop, pin 4, 4 ça là. Et lui, il va là-haut. Alors à ton avis, hé, regarde ça, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien. On va faire un truc comme ça. Comme ça. Et après, tout droit. Tout droit, tout droit. On va couper un peu plus long pour pouvoir le faire passer un peu comme on veut. Hop, on y va. Hop. Vous savez, l'électronique, tout ça, c'est avant tout de l'art. Hein. Et des dollars, parce qu'on adore l'argent. Bah oui, bah ben. Bah quoi? Faut bien payer le loyer. Hein. Un max de dollars. Quelle heure est-il? 13h49. Ça va être la course, je vous le dis. Allez, on y va. On a pour le tanniaiser la gamin. Tac, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et on vient se poser là. L'argent c'est pratique, l'argent c'est pratique. J'ai vu que tu savais réparer, je me demandais si je te l'envoyais. Faut tu le faire, faut juste que je... Bah tu m'envoies un DM sur, sur Discord ou sur Twitter et on voit ça ensemble.
C'est son fil dans les pattes. Et oui, passe le fil dans les papattes. C'est plus joli. Là, vous y croyez comment à celle-ci là? Déjà un peu plus, non? Impeccable. Soudure solide. Pas de pont. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit de plus? Pin 8, il nous dit de choper un ground. Très bien. Pin 5. Pin 5. Qui est là. On est censé aller là. C'est good. Pin 6 qui est là. On est censé aller là. C'est good. Pin 7, il est là, et je suis censé aller là, c'est good, ok, ça c'est le ground, on recommence, le pin 4, il passe là-haut, il va juste là, ok, tac tac tac, pin 4, il va au deuxième, pin 3, il va au deuxième en bas, ok, et pin 2, il va là, et bien impeccable. Après, on a l'alimentation et après, on a ça. Ok, et eh ben on teste. Allez, on dit que c'est la bonne. Vous voulez une trade? Vous voulez refaire une trade? Vous voulez me refaire mal? C'est ça? Et eh ben si un modo est chaud, on refait une trade. Sur le second try, si je puis dire. Bienvenue à toi, Elminou. Merci pour ton follow. Bienvenue. Vous avez du follow aujourd'hui, ça fait plaisir, jeunes gens. Si vous ne pouvez pas parler dans le chat, c'est pas grave. C'est... Vous pourrez parler dans une heure. Ça va, une heure, ça va, ça va. Fais pas le mec, fais pas le mec. Tac. C'est uniquement si vous n'avez pas vérifié votre compte Twitch. Ça va, franchement. On range un petit peu et on se fait une petite prête de 2 minutes s'il y a un modo qui est encore dans le chat. Et on sera good. A plus du tout de 11, il est pas partant. Aïe. Sinon, je la lance moi-même. Je la lance moi-même. Allez, on dit que je la lance moi-même. Je peux pour. Eh bah, super. Eh bah, bravo. Que d'excuses. Que d'excuses. Ça va, je blague. Hop. Prediction. First try. Oui. Non. Et on met bien entendu 2 minutes. I love you. Et je trouve que c'est encore plus propre que tout à l'heure. Avec le petit fil et tout. What you do? Let me do you well. Hop là.
C'est votre moment, jeunes gens. C'est le moment de voter. Afin de voir si vous avez... si vous me faites confiance ou pas. Est-ce que c'est la bonne... De toute façon, après, il restera plus que la MM3. Hein. Si c'est pas la bonne puce. Mais bon, MM3, je crois que c'est pas possible que ça fonctionne. Donc... Vas-y, la cote là. Ouais, 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 c'est ça, ouais, la cote, ouais. D'accord. Chômeur de Jedi. Il y a celui qui arrive. Switch de source. Switch de scène. On est bon. Je commence directement par un jeu gravé. Qui potentiellement ne passera pas. Donc en vrai, on va commencer directement par un jeu japonais. C'est parti. Ça va passer cet endroit-là. Ah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Impeccable. On éteint. On ouvre. On va tester avec un jeu gravé des familles. Et on a vu. Erax qui était en PLS, qui était en train de dire « Mais non, je récupérerai jamais ma PS1 fonctionnelle. » Je te comprends. Moi aussi, j'aurais été en PLS. Alors, est-ce qu'elle dit les jeux gravés? De rien la team, yes, c'est pour la... c'est pour Noël, ça fait plaisir. Donc là, jeu gravé, driver 1, PAL. Mais c'est moi qui l'ai gravé. Donc je sais même pas s'il passe tout court, celui-là. Et je l'ai gravé avec ses rayures en plus. Il est rayé de ouf. Impeccable, il est pris en compte. Ok. On éteint. Puis remettre un jeu PAL tout court. Tout simplement. C'est de la moule sur 20. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je vois de la jalousie sur 20, là, moi. Et c'est un gros double G pour le streamer. Et oui. Mais du coup, je sais pas si t'as vu Erax, mais ta Game Gear, c'est bon, elle tourne. Enfin, sur... il y a une des deux, c'est bon, elle est bonne. Donc, on va attaquer la deuxième semaine prochaine, et puis voilà. Ça devrait être cool. En espérant que la deuxième, ça y aille aussi. Et impeccable, là-dessus, on est yind. Bienvenue à toi, YouTag. Bien sûr. Merci pour ton follow. Allez, pour le kiff, on met un dernier jeu japonais. J'ai pas de jeu US, je crois pas. Et bienvenue à toi également, Niwosta. Merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Merci pour les follow, bienvenue. J'ai eu sur le GG, bien sûr. On teste le c'est un Battle Arena Toshiden 2 que j'ai en japonais, qu'on m'a offert. Quand j'avais fait là, vous rappelez-vous, la Panasonic Q qu'on avait réparée, bah, la personne m'avait donné ça après. Elle m'avait donné plein de jeux japonais. Bienvenue à toi, Plaid76. Pléiade76 plutôt. Merci pour ton follow. Merci pour les follows, ça fait plaisir. Bienvenue. Et bam, ça part. Ok. Avant de clôturer tout ça, il nous reste un dernier truc à faire, mais c'est simplement de l'entretien. Vous savez, quand la PS5, elle veut pas ouvrir son capot, fermer son capot convenablement.
Il faut faire un petit truc et on va le faire de suite. Et ensuite, on la remonte de manière définitive et on n'en parle plus. Cette petite PS1 pucée. Donc c'est juste ici. Hop, au niveau de ça. Tout est plus ou moins. Hop. C'est relativement simple. On enlève ça. Jusqu'avec le temps, en fait, t'as de la poussière qui vient se former. T'as de la poussière qui vient se former, et puis voilà. Cette console si sublime. Ah, la Panasonic Q, c'est la mort. Et plus. Et donc là, il faut juste venir faire un petit coup de dépoussiérage. Donc on prend l'aspirateur. Comme ceci. On prend ceci. Là, mettre un petit coup de dépoussiérage. Hein. Parce qu'en gros, ça fait office. Là, la poussière, le plastique qui s'est usé avec le temps, ça fait des petits dépôts. Et ça fait un peu office de talc. Et donc, ça accroche pas mal. Ça accroche pas mal. Donc, tu te retrouves un petit peu embêté quand tu appuies sur le bouton, tout simplement. Parce que du coup, le bouton accroche et fait pas son taf. J'ai dû hypothéquer mon carton qui sert de maison pour prédire. Aïe, 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 coup dur. T'avais prédit quoi, toi, d'ailleurs? Oui ou non? Parce que là, on était sur un vrai first try. Hein. Bizarrement, t'as rien à dire. Non. Bah voilà. Voilà. Bizarrement, hein. Tout de suite. Voilà, petit coup de propre, tranquille, tranquille, tranquille. Ça, c'est le petit coup de propre de l'amour, ça. La PS1, hein, que j'ai eu étant jeune, hein, c'est vraiment... Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, elle est toute petite. Il aurait fallu que la lime soit intégrée, ça aurait été encore mieux. Mais j'aime trop cette petite console. Et puis une fois pucée, vous avez vu hein, l'installation de la puce, hein, c'est pas si compliqué que ça. Nous on s'est trompé parce que voilà, on n'avait pas le bon schéma au début. C'est des choses carrément, c'est pas bien grave. Mais sinon, vous avez vu, hein, c'est des soudures qui sont relativement faisables. Faut faire attention, prendre son temps, c'est ça qui est important. Et il n'y a pas de problème. Ok. Je te fais des misères graves. Inadmissible. Hein. Ça marche bien. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut la même chose ici. Console relativement propre hein, pour son âge. Du coup, c'est cool. Juste, j'ai pas nettoyé ici. Et là. Impeccable. Ça, on aime.
Nettoie la petite tranche ici. Ça fait pas de mal, hein, le petit coup de propre comme ça. C'est pas tous les jours qu'elle va être démontée et nettoyée, donc on en profite pour lui faire une petite beauté. Voilà. Bien sûr, le petit message qui indique qu'il ne faut pas toucher la lentille avec nos gros wads d'humains dégueulasses. C'est important. Ça marche. So c'est nice. Ah, un colis qui vient d'arriver au Mondial Relais. Et je sais pas ce que c'est. Comme d'hab, on met directement. Donc on fait la petite tranche. Une fois de plus, la tranche, quand on aura refermé la console, on n'y aura plus trop accès. Voilà. On prend ceci. On la referme. Là-dessus, il n'y a plus de doute. Impeccable. Et c'est ça qu'on aime. Je te le dis. Je te le dis, mon gamin. Elle est où la vis? Normalement, il y a une vis qui a eu de la colle dessus. Et ben, on sait pas laquelle c'est. Allez, hop. D'ailleurs, la PS1, celle-ci, facile de la foutre en portable, hein, d'ailleurs. Avec le vrai hardware et tout. Hein. Mm-hmm. 7,5 volts à même pas 1 ampère, tu l'as fait tourner sur des piles. Sur une batterie externe, tu l'as fait tourner. Ça ne sonne tellement rien, cette machine. Maintenant, on fait tellement des batteries assez costauds. Tu lui mets un petit écran 7 pouces. Ça, c'est des consoles faciles à modder. Il manquerait plus que lui foutre un adaptateur SD. Tu te prends même pas la tête avec le lecteur, tu réduis la consommation. Impeccable. Impeccable. Ouais. Super projet ça. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une console portable hein, d'ailleurs. J'ai reçu 12 cellules aujourd'hui. C'est vrai que ça peut être tentant. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Une fois que je serai plus stable, on tentera. On tentera des trucs comme ça. Parce que là, je vous avoue, c'est la course. En ce moment, c'est H24 la course. Du coup, c'est un peu chiant. Bon, tu sens que la memory card ici, elle a été insérée. Hein. PS4, la dernière. La dernière, ouais, c'est la PS4 portable qu'on avait fait. On va pas faire grand chose. Malheureusement, sur cette petite trappe. Eh ben impeccable, c'est une affaire qui roule. 14h10, je suis presque pas en retard. Et la PS5 portable. Ouais, bah bien sûr, il y en a qui l'ont fait. Non merci. Vous avez vu, il y a plein de modes. Il y a plein de gens qui s'amusent à.
à faire des écrans avec des très grosses batteries et tout. Ou à faire des trucs tout faits. C'est-à-dire que tu as ta PS5, l'écran qui ressort derrière, et tu prends le truc et tu le... T'as juste une prise d'alimentation. Il y en a plein qui font ça. C'est pas mal, hein. Bon, elle est particulièrement propre, elle est pas jaunie. C'est un bien beau bébé, regardez ça. Une bien belle machine. Avec la petite trappe qui fonctionne bien. Le bouton power parfait. Impeccable. Ça, c'est une affaire qui roule et ça, ça fait plaisir. On est un petit peu sur deux réussites parce que, en vrai. La PC Engine. Ça va. Il me manque plus qu'une pièce et on est bien. Potentiellement, je l'espère. Et on a celle-ci qui fonctionne, donc c'est cool. Ça partait mal, je le comprends, mais on est pas mal. Eh bien écoutez, pour changer, pour une fois, je vais vous envoyer chez le... Non, changement de programme, parce qu'on va s'arrêter là. Mais en vrai... Tac. Et bah, il y a Linko qui vient de lancer son live. Impeccable. Jeunes gens, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci énormément d'avoir été là. J'ai vu qu'il y a eu plein de follow. Je vois que vous êtes encore nombreux. Merci beaucoup. Hein, et merci pour les raids qu'on a eu, hein, notamment. Ça fait très plaisir. Ça rameute du monde. Bienvenue au nouveau. Une fois de plus, si vous n'avez pas pu parler aujourd'hui, c'est pas grave. Vous pourrez parler le prochain live. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas vérifié votre compte Twitch. Et c'est pas grave parce qu'il suffit d'attendre une heure. Bref, merci énormément à ceux qui sont venus. Bienvenue au nouveau une troisième fois parce qu'on ne le dit jamais assez. Merci pour les follow. Merci pour les dons, merci pour les sommes, une fois de plus votre générosité aide énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui utilisent bien entendu les différents affiliés, liens affiliés, hein, que ce soit Eneba, que ce soit Amazon, que ce soit AliExpress pour faire les cadeaux de Noël. Hein. Sachez que ça soutient beaucoup la chaîne et ça aide énormément. C'est grâce à ça que la chaîne est encore debout et toujours la patate, hein, bien sûr. C'est la banane, je crois, hein, toujours la banane, hein. Ouais, c'est ça. Bref. On se dit à lundi prochain live. On n'oublie pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, vous connaissez la chanson. Et on n'oublie pas de rejoindre le Twitch pour être notifié des prochains lives avec la petite cloche, toi-même tu connais les vrais bails. Bref, portez-vous bien, excellent week-end à vous, et à lundi. Allez, des bisous. Je vous envoie chez Linko, vous allez voir, streameuse de qualité. C'est la qualité, tout simplement. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va faire forcément des trucs bien. Des bisous. En plus, ça fait gagner des trucs sur sa chaîne en ce moment, donc c'est le moment. Allez la follow, bien sûr. Allez, bye. Salut tout le monde.